à la fois tout ce qu'on peut faire nous-mêmes pour éviter de prévenir la maladie, enfin pour prévenir la maladie, et tout ce que peut nous apporter l'institutionnel, le monde du travail, le monde de la santé, pour qu'au fond, on vive au mieux notre quotidien. Pour moi, la promotion de la santé, c'est aider quelqu'un à garder un état de santé qu'il a, lui expliquer comment faire pour le conserver et comment faire pour éventuellement le garder le plus longtemps possible. Girafes Midi Pyrénées a pris l'initiative d'organiser cette journée à l'occasion du 30e anniversaire de la Charte d'Ottawa pour répondre à sa mission de plaidoyer en promotion de la santé et de diffusion d'une culture partagée autour de la promotion de la santé. Je pense que c'est intéressant en particulier cet après-midi de voir dans les ateliers tous ces témoignages de gens qui travaillent sur le terrain, qui sont souvent peu connus, ils travaillent dans les entreprises, dans les écoles, ils travaillent dans les quartiers, en milieu rural, et pour le bien-être et la santé de la population. Et c'est des choses qui sont à la fois efficaces, mais souvent peu visibles, mais qui s'appuient beaucoup sur la Charte d'Ottawa et sur le concept de promotion de la santé. Merci d'avoir choisi ce lieu pour fêter cet anniversaire sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la promotion de la santé. La Charte d'Ottawa l'a bien montré, santé n'est pas égale à soin. Et nous nous impliquons dans beaucoup d'autres domaines que le soin. Merci, monsieur. Donc, je suis Dominique Saunier, la directrice de l'IREPS Midi-Pyrénées. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous dans ce lieu et pour cette journée dédiée donc au 30e anniversaire de la Charte d'Ottawa. Je vais juste vous apporter quelques précisions sur le programme. Comme vous l'avez vu, on a organisé cette journée en deux temps. Un premier temps de plénière qui va démarrer avec les interventions des experts. Pour partager justement cette culture en promotion de la santé. On aura ensuite une table ronde avec les acteurs régionaux qui vont nous présenter un peu les démarches entreprises au niveau local ou régional. Et Monsieur Jourdan, donc directeur de la direction de la promotion de la santé à Santé publique France, pourra clôturer cette matinée. Pour l'après-midi, donc, on a prévu 6 ateliers. On en avait 5 à la base, mais vos contributions ont été très nombreuses et ça nous a amené à ouvrir un atelier supplémentaire. Donc, sur les différentes thématiques, vous vous êtes déjà inscrits. Et on remercie en particulier les gens qui ont contribué pour présenter leurs expériences cet après-midi. Il s'agit dans la Charte d'Ottawa d'un concept positif qui met en valeur avant tout les ressources personnelles et sociales et les capacités des personnes. Ainsi donc, nous dit la Charte d'Ottawa, la promotion de la santé ne peut pas relever uniquement du secteur de la santé ou du soin au sens sanitaire. Elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Alors, c'est un ensemble d'activités. Qui vise à agir sur ce qu'on appelle, nous, les déterminants de la santé, c'est-à-dire tous les facteurs, toutes les conditions qui influencent la santé des gens. On va intervenir dans les milieux de vie, on va intervenir à l'école, on va intervenir au milieu de travail, on va intervenir dans les quartiers, on va intervenir à l'hôpital ou en milieu carcéral ou partout, de façon à identifier ce qui crée de la santé dans ces milieux, ce qui fait que les gens s'y sentent bien. Et au contraire, ce qui peut poser problème. Je travaille dans le domaine de la promotion de la santé depuis presque autant de temps que la Charte d'Ottawa, depuis 87. Je crois que la Charte d'Ottawa, ça a permis de créer un tournant dans la manière de concevoir la santé, puisqu'il s'agissait de non pas de dire aux personnes, aux individus, comment ils devaient agir pour se maintenir en bonne santé, mais surtout de leur montrer comment ils pouvaient faire pour modifier leur milieu de vie, pour s'associer à leur entourage et créer de meilleures conditions pour leur santé à eux.
Nous avons donc les moyens alloués par l'Agence régionale de santé, des moyens de la mairie de Colomiers. Ce sont des moyens logistiques avec mise à disposition de matériel, de salles, des moyens techniques et des moyens humains, puisque l'ensemble des services municipaux participent aux actions que nous menons sur le terrain. Le rôle de l'ARS, c'est ça. C'est de voir quelle cohérence on peut mettre à l'ensemble des interventions de chacun, qui peut se positionner sur un segment, justement, de la recherche du bien-être. Notre rôle, c'est souvent de rappeler la nécessaire cohérence des interventions des différents acteurs, justement, acteurs au sens très large, politique, institutionnel, associatif, des fois personnel. La promotion de la santé ne relève pas de l'exclusivité de l'ARS. Et au sens de la charte de l'Ottawa, on le comprend que c'est illusoire d'avoir, ça s'appellera ARS ou autre appellation, d'avoir une structure qui a en charge le bien-être général d'une ensemble de la population dans tous les champs de secteur. C'est impossible. Elle travaille beaucoup avec les instances politiques pour les amener à prendre des décisions qui sont plus favorables à la santé des populations. Qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, eh bien on n'a pas accès à la santé de la même façon. Je vais donner un exemple tout à l'heure sur le territoire de l'Ariège. Eh bien pour aller chez le dentiste, ça coûte bien plus cher à quelqu'un qui habite dans l'Ariège qui habite en Haute-Garonne. Ça, pour moi, c'est important. Il y a à peu près aujourd'hui un tiers de la population qui renonce aux soins en France. Donc ce tiers, c'est pour tout un tas de raisons. Ça peut être pour les transports, pour des raisons de finances, pour toutes les choses. Et ça, c'est une vraie question. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire baisser le renoncement aux soins. Donc quand nous avons fait cette réunion, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans cette réunion, nous avons envoyé que des professionnels de santé. Donc on avait des infirmières, on avait des aides-soignants, les parents qui étaient présents, c'était soit d'anciens médecins, soit d'anciens infirmiers. Il y avait une personne handicapée, et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que ne se sentaient concernés par la santé que les professionnels de santé pur et dur. On a dit, on va les questionner au travers d'une question très simple ou totalement ouverte, non préparée, c'est pour vous, c'est quoi la santé ? On a eu un taux de réponse impressionnant, dont des réponses soit écrites, soit des films, on a eu des réponses sous forme de pictogrammes, on s'est retrouvé devant une masse, mais une masse d'informations dans les délais impartis. C'est vrai que ça nous a laissé perplexes. Ces réponses qu'ils nous ont faites, eh bien, je pense qu'ils étaient meilleurs que nous, parce que pour eux, la santé, ce n'est pas du tout la maladie. La maladie ne s'est retrouvée que très minoritaire dans leurs réponses, et que donc dans leur perception de la santé est ressorti surtout tout le volet bien-être. Donc notamment la santé, ça concerne les besoins alimentaires, manger, boire, bien dormir, se reposer, toutes ces choses. Et on a pris quelques citations aussi. La santé, c'est rien que manger du chocolat, par exemple, voilà, dans les trucs ben forts. C'est aussi ne pas fumer avant 13 ans, ne pas se droguer avant 16 et arrêter l'école à 12 ans. Ou bien c'est l'apéro. C'est jouer au boulot et manger du fromage. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu tout un panel de réponses, mais enfin beaucoup de réponses de bon sens, ben, qui nous ont vraiment rassurés sur, ben, sur leur perception à eux de la santé. Donc, ce qu'il faut faire passer impérativement auprès des salariés, c'est que la santé ne concerne pas que le volet maladie, que la santé, ça concerne tout le monde, et que ça concerne tout accompagnant d'une personne en situation de handicap. Alors, pour faire la relation avec la charte et les axes de la charte, puisque j'ai compris qu'il fallait faire le lien. Donc, il me semble que c'est la création d'environnement favorable et aussi l'acquisition d'aptitudes individuelles, hein, sachant que quand on parle de handicap, ce sont des gens qui sont en bonne santé. Ils sont handicapés, mais en bonne santé ou en mauvaise santé, comme tout un chacun. Voilà. Bon, le handicap n'étant qu'une des composantes de leur personne. Quoi, voilà. Donc là, l'idée, c'est de jouer sur l'environnement du Narbonnais
et d'essayer d'avoir une politique alimentaire globale, pensée au niveau de la ville, avec un groupe de travail en interne, essayer de mobiliser les autres directions, la direction de la voirie, la direction des bâtiments, la direction des espaces verts, la direction du protocole, la direction enfance, jeunesse, CCAS, pour faire en sorte que quand on propose quelque chose, ce soit cohérent avec la politique alimentaire. Maintenant, quand on fait des cahiers des charges sur la restauration collective, on est associé, on essaie d'améliorer les cahiers des charges. On a des fruits à la récré. Maintenant, on va essayer de travailler sur la qualité des fruits à la récré, qui sont de qualité, mais qui peuvent être encore améliorés en termes de goût, en termes de calibre, en termes de maturité, en termes de localité. Donc voilà, on est en train d'essayer de s'améliorer sur des points, plus de détails, mais qui donnent vraiment tout leur sens à la politique globale. Une prévention ne peut se faire s'il n'y a pas justement l'environnement favorable. Et du coup, on a commencé par la prévention, mais c'était essentiel pour nous, au-delà de faire passer des messages, c'est qu'ensuite, concrètement, ça puisse être applicable aussi. Et donc, ça passe par cette offre alimentaire locale et ce plan municipal. À chaque fois, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Donc, on commence évidemment par un segment, mais l'intérêt pour nous, dans la logique de parcours, c'est de vraiment, au final, avoir tous les segments et une bonne articulation entre les segments. Ça se fait sur de nombreuses années avec différents partenaires, des allées, des retours, des pauses, mais c'est vraiment notre objectif final sur le contrat local de santé. Une action, un exemple, c'est l'étiquetage nutritionnel des aliments. Vous savez, la loi prévoit un étiquetage nutritionnel des aliments qui ne soit pas des tableaux à double entrée écrits en tout petit, mais simplement des pastilles de couleur, 5 pastilles de couleur, dans le but de permettre à tout le monde de lire et de comprendre, et notamment à celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas facilement accès à l'écrit, qui n'ont pas une connaissance simple des catégories d'aliments. Donc ça, c'est un exemple de dispositif. Et ça, mécaniquement, en permettant à chacun, notamment aux plus vulnérables, de mieux s'y retrouver dans l'alimentation, on réduit les inégalités. Notre volonté, c'est donc de réduire l'impact des inégalités sociales sur la santé. C'est pour ça que nous avons choisi 4 axes dans notre contrat local de santé. Le premier axe, c'est favoriser l'accès aux soins, bien évidemment. Ensuite, la lutte contre l'obésité infantile dans les écoles maternelles et d'améliorer l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles primaires. La santé mentale et le dernier axe, c'est la lutte contre la dépendance. C'est vraiment cette idée de tenir ensemble le soutien au réseau associatif qui est l'acteur, le soutien aux collectivités territoriales qui sont auprès des gens, le tout au sein des politiques régionales et donc pour l'instance nationale de créer les conditions de tout cela par de l'expertise, par de la création de ressources, par de la communication. C'est une journée qui a fortement mobilisé puisqu'on a eu plus de 200 personnes inscrites et apparemment tout le monde est venu. Ils sont venus donc de loin, hein, de Rodez, de Montpellier, de Nîmes, de Tarbes, du Lot et on a eu quelques invités aussi de Paris et de Belgique. Donc je pense qu'on a réussi à fortement mobiliser autour de cette journée pour diffuser cette culture en promotion de la santé. Je suis satisfait parce que il y a eu un déroulé intéressant. Il y a eu d'abord deux personnes expertes dans le champ de la promotion de la santé. Ensuite, on a eu des témoignages d'élus qui sont engagés dans des actions de santé publique. Et on a bien vu les convictions qu'ils avaient, et en particulier les élus de proximité. Et à travers ça, on a vu qu'il fallait agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Et puis cet après-midi, c'était plus des témoignages d'acteurs de terrain qui expliquaient comment concrètement, au quotidien, ils mettaient en œuvre cette politique de proximité avec véritablement la participation des usagers. On va le faire avec en particulier les conférences régionales de santé dans 4 autres régions. Et puis ensuite, on va essayer d'étendre ça à toute la France pour faire un vrai plaidoyer autour de la promotion de la santé. On espère que dans le projet de marquer l'activité de cette nouvelle commission par une deuxième journée qui pourrait être une suite à celle-là. On espère participer à cette aventure.